Salut à tous, en saisir la tête, comme souhaiter que tout le monde bien. Je dis que je suis comment capable streamer comme un professionnel à l'aide de OBS Studio. Okay? Si l'application ça que nous là, c'est une application malheur, une application merveille. Okay? Si que vous voulez streamer tant qu'un professionnel, c'est utiliser soit OBS Studio, soit Streamlab. Ok? Ok. Alors que si que vous avez aller télécharger l'application, hein, allez que vous pouvez aller sur le site là officiellement hein, juste pour télécharger pour Windows, mais si c'est Mac ou bien télécharger ou bien Linux, ok, ok, ça va dépendre des ordinateurs, des systèmes d'ordinateur que vous avez dans mon. Une fois que vous finissez télécharger, alors c'est pas une application qui est assez difficile pour installer, ok. Alors que nous prenons entrer à un bref sujet qui c'est OBS Studio. Alors que moi-même que moi plus streamer sur OBS Studio parce que si que vous voulez streamer tant qu'un professionnel, vous mieux que vous utilisez un simulateur de stream, OK? Alors que OBS Studio c'est un ça c'est merveille. OK, alors que imaginez que si tu n'es café émission yo, OK, ou pas qu'à dire que on fait émission juste que soit fait un live pour plaisir comme ça, que on pas besoin pour aller chercher fait toute programmation ça sur OBS Studio pour faire, c'est juste quand le téléphone que juste pour capable faire un live. Alors que imaginez que on fait une émission on fait avec téléphone portable. Pourtant oui, on peut faire avec un téléphone portable si que on pas une caméra, mais faut qu'on utilise OBS Studio qui c'est un méthode qui capable permettre de streamer comme un grand professionnel. Alors que Zolotech pour montrer nous comment, parce que là que moi visite majorité channel haïtien, moi haïtien pas tellement montré, je pas dit pas tellement beaucoup gens moi haïtien qui montrer mais comment pour streamer sur OBS Studio. OK, alors que yo plus sans style en focus sur WhatsApp, OK, parce que comme c'est tuto ça qui fait rien plus view, OK, alors que yo plus focus sur ça, c'est raison pour laquelle qui fait que en mentalité haïtien yo limité parce que yo plus focus sur un bagage haïtien plus focus, OK, mon cap apprendre les focus par rapport déjà mentalité haïtien. Alors que moi-même pas un problème c'est que m'a montre un bagage de nouveau, ça pas ainsi que à chaque fois m'a gagné en vidéo qui différent de l'autre jour qui m'a gagné seulement 20 views seulement. Moi connais que 20 mon sort qui regarde vidéo hein, alors que 20 mon sort yo connu un bagage en plus. OK, c'est différent avec yon nègre qui voit les sous channel li ou qui nègre gagné pour 50 vidéos, toutes 50 vidéos à parler de WhatsApp. Alors, vaut mieux que balé non WhatsApp tout. Hein. OK. Nous parler avant mes amis, nous parler. Jacques nous est interface en OBS Studio hier. Nous qui là les rayon grand écran noir, c'est là que tout travail que vous faites tout en pièce, tout en configuration que vous pouvez faire en bas voilà. Alors que c'est là que vous pouvez paraître. OK? Si que vous voulez tout vous voir ici sous forme sous mode studio, laisse ça que nous pas le ça devant. OK? Parce que si que me prend temps que me pour me expliquer nous tout bagage ça un seul coup vidéo à dire 10 temps. OK, alors que vaut mieux que moi faire li étape par étape, c'est-à-dire que jeudi à m'a fait interface là avec nous et puis une autre fois et puis m'a fait vidéo comment que pour nous faire un autre bagage. OK? OK. Qu'est-ce qu'on fait une fois que vous finissez installer en OBS Studio? Là ouvrez li et puis vous pouvez créer un profil. OK? Profil là ça li ou ka créer plusieurs profils. OK, si que vous pas t'avez pas là effacer des bagages pour qu'on mette un autre bagage ou pas créer un autre profil. Comment si que vous faire là sous football alors que créer un profil sur OBS Studio pour football. OK, qui gagne des écoles football qui gagne qui gagne image football tant que en présentation football. OK, c'est raison pour laquelle qui est très important pour créer un profil là que vous faire un là que vous streamer. OK. Ouais, on a profil ou fait nouveau et puis ici tant ou bay profil là non ou bay profil là non dépend de ça que on peut faire sur OBS Studio. OK, exemple c'est que c'est jeu de vidéo, on peut mettre jeu vidéo. OK, moi le li jeu vidéo parce que si que c'est préparer m'a préparer un stream là pour jeu vidéo. OK, ça c'est un exemple que moi prend avec nous. OK. OK.
il faut que ma fille qu'elle et puis ici yo ban moi une fenêtre assistante de configuration. OK, là yo femme connecté, est-ce que projet assez son live que pour faire direct ou bien est-ce que vous voulez juste utiliser OBS Studio pour capable enregistrer des images ou bien est-ce que vous voulez juste utiliser OBS Studio pour caméra? Mais que si c'est pour streamer, ou pour premier, si c'est pour capable faire enregistrement, ou pour deuxième, mais si c'est pour capable gagner une caméra vidéo, ou pour troisième. OK? Pour streamer, nous quittons ce premier et puis nous faisons suivant. Étape par ici, tant il faut qu'on ait préciser les règles en vidéo que vous souhaitez utiliser. OK, c'est très important étape ça, OK, c'est très important. OK, alors que ça va dépendre de qui plateforme que vous allez streamer. OK, ça va dépendre de qui plateforme parce que chaque plateforme il y a gagné une résolution de base que vous pouvez utiliser. OK, par exemple que ce que vous pouvez streamer sur YouTube, vaut mieux que vous utilisez 1280 par 720, ok, et non plus tout ou streamer tout par rapport de qualité internet que vous avez, ok, par rapport de qualité internet que vous avez. Mais si que vous voulez ou capable toujours camber 1360 par 768, ça le mando pour streamer par rapport de résolution qui ordinateur qui n'a mon gain, ok, ordinateur par maintenant c'est un 1366 par 768. Alors que moi toujours quitté janvier et puis ici tu dis moi qui débit FPS que moi voulais. OK, ça doit être très important. C'est que live que ou pour le faire, on est live là, son live qui peut être tellement qui peut être tellement que ça que animation pour tellement que image qui passer, alors que ça prend demande que pour comme qui ça quoi faire. OK, alors que c'est que un petit bail simple. OK, les bon. Mais si c'est un jeu vidéo qu'on fait, alors que vaut mieux que au point 60 FPS directement. OK, vaut mieux que au point 60 FPS parce que nous connaît que jeu vidéo là, dès qu'il y a un peu d'image par seconde. OK. OK, mais si que c'est un live simple que on fait, tant que là c'est juste un écran ordinateur là qui on peut projeter pour capable faire des titres tout ça, OK. OK, vaut mieux que au quitter les sous 60 ou 30, mais je préfère 60. OK, mais ou bien ou aller ou garder tel que 30. OK, juste pour capable camper tel que 30. OK, mais ça va dépendre de ça que va faire. Tant que sur Facebook qu'on a montré mon yo, tant que projeter site pour ça, pour montrer mon yo qui va pour acheter tout ça. Et j'en ai là, ça n'y a pas tellement pour un email par seconde. OK, plus qui pour un email par seconde, c'est là que dans le live, vous pouvez faire pour mettre un peu d'animation là-dedans. OK, ça va demander pour faire une petite modification pour capable toujours qu'embellir sur 30 ou 60. OK, OK, moi, c'est jeu vidéo, je qu'embellir sur 30 par 60. OK, j'en ai là. OK, une fois que moi fini, et puis je fais suivre. Par bon si tu yo pour demander moi yo demander pour choisir ce qui plateforme que moi voulais streamer. OK, faut que choisisse qui plateforme. Est-ce que c'est sur Twitch ou bien est-ce que c'est sur YouTube ou bien est-ce que c'est sur Facebook Live. OK, c'est au moins qu'à choisir ce que ça. OK, moi si c'est sur Facebook comme fait Facebook Live et puis ici yo pour demander moi pour moi mettre clé de stream. Clé de stream là qui ça vient. Que si que ou pas de temps ouvert page ou va juste aller ici tu vas aller dans récupérer la clé de stream et puis lui même qui ça que le préfère lui pour ouvert Facebook ou bah directement na vos pay live là et puis ici ou après là marquer link en deux serveurs et clé de stream c'est clé ça que ou pour copier. OK, alors que si que vous voulez toujours utiliser même clé sur chaque fois vous faire stream que va faire live, OK, ça va demander que pour capable cocher ça pour capable gagner une clé de stream persistante. OK, c'est que vous voulez utiliser presque même clé de stream là sur chaque live que vous faites. OK, ça c'est très important, vaut mieux que temps en temps pour ouvert pour pouvoir copier, vaut mieux que vous utilisez une clé de stream persistante juste pour capable sentir plus à l'aise. OK, et puis nous pouvons copier et puis nous pouvons tourner dans OBS Studio. Et puis nous pouvons coller clé stream. OK,
une fois que vous finissez coller et puis vous pouvez juste choisir afficher pour voir est-ce que vous même tout ça, ok, c'est que vous pensez que vous faites quelque chose, ok, et puis vous faites suivant. Alors une fois que vous faites suivant, alors que OBS Studio pour faire un test, hein, ok, de toutes données que vous prenez pour voir que est-ce que parallèle, est-ce que bon, ok, vous faites oui. Ok, une fois qu'il est fini, alors il peut y avoir un résultat final, pas possible, hein, c'est de tout ça. Ok, ça c'est toutes les données qui ont été choisies, tout ça. Ok, et puis vous faites appliquer. Alors que main interface qui est là pour profil qui vous fait créer, qui c'est jeu vidéo, pour marquer profil, et puis il est là au nom profil là qui c'est jeu vidéo. Ok, c'est à dire que à n'importe quel moment que vous avez changé profil, vous avez juste aller dans profil et puis tout pour capable changer profil, vous allez dans importer et puis ou bientôt vous après que non paraît là. Ok, chaque profil que vous créez vous pouvez le pas par vos sites et puis vous allez juste cliquer sur profil que vous voulez faire stream, hein, juste pour capable commencer faire stream sans que vous ayez besoin pour la créer un profil, tout ça pour la effacer, ok, pour qu'à mettre un lot de données. Ok, il est très important pour que tu prépares chaque profil, mettez là et puis tout là que vous faites live et puis pour ne choisir profil. Ok, ok, si vous voulez tout, bon, nous par exemple on va aller dans 100 titres. Ok, on va aller dans 100 titres. Ok, profil 100 titres là qu'il n'y a pas aucune programmation, ça qu'il nous souhaite faire. Ok, mais que ça qu'il nous souhaite demander. Ok, ou bientôt on peut jeter ce jeu vidéo. Ok, Jean que nous allons dégager nous, ça c'est preview. Ok, ça c'est preview. Ok, ça c'est fenêtre de preview. Ici t'as nous qui dégage une scène. Ok, c'est là qu'on peut ajouter toute scène et puis en dans chaque scène nous pouvons gagner des sources. Ok, juste que nous allons marquer sources. Ok, c'est que vous voulez vous doit détacher. Ok, c'est que vous voulez encore vous doit mettre encore même côté encore. Ok, c'est comme ça. Ok, ce que vous voulez en détacher lui, en mettant ici, ainsi que vous parlez, vous pouvez juste en déplacer le corps et puis vous mettez là. Ok, c'est comme ça. Et puis, qui ça que nous pouvons faire pas bon site? Parce que c'est vous-même qui pouvez streamer, c'est vous-même qui connaît qui j'en voulais baser, ok, baser streamer. Ok, moi-même, je vais créer un profil par rapport à des gens qui moi-même qui m'ont streamé. Ok, qui ça lié, vous connaissez que moi-même, les maps streamer, les maps fait pause, moi mes points ont été pause, alors que je souvent créer une scène de pause. Ok, scène de pause, là, bon, mettez les une petite intro, les points pause, c'est comme si moi quitter une petite vidéo intro cap passé. Ok, qui ça me fait et puis vous créez une scène 1, bon, moi les scènes 1. Créer une scène 1 et puis m'balinon, oui, m'balinon tout bas non, ok, m'balinon pause, ok, m'balinon pause et puis m'fin, et puis en dans scène 1 non, et puis m'bral mettre des sources, ok, et puis moi juste voulais pour simplement une petite vidéo qui peut passer, ok, bah moi ferme ça, je vais monter non, si que vous besoin mettre une source vidéo, vous voyez une source média, ok. Juste pour qu'on mette. Et puis, on peut être là, mettre intro. Mettre intro parce que c'est un petit vidéo intro qui m'a mis. Bah non, intro. Et puis, ici, il n'y a pas qu'au rythme qu'on va choisir vidéo. Ok? Et puis, Marina, moi, je vais chercher vidéo 1. Je vais chercher une vidéo dans download. Et puis, on prend vidéo 1. On met. Une fois que je mets, alors que mettez li en boucle et à chaque fois qu'il est fini pour être capable de recommencer. Ok, mettez li en boucle et puis on fait ok men. Ok, et puis qui se préfère, vous pouvez faire ctrl f jusqu'à pour que vidéo la cap en forme écran. On fait ctrl f et puis pour capable pour forme écran men. Ok, ça c'est vidéo ça que nous mettez compose. Ok, alors, une fois que vous finissez là, vous pouvez créer une autre scène, donc pour mise en scène,
C'est la mise en scène ça que vous pouvez créer, vous pouvez faire tout travailler. Ok? Bon, allez, créons l'autre scène encore. Pour la mise en scène, si vous voulez sur scène 2. Ok? Alors, c'est là que je peux faire tout ça. C'est là que je peux mettre écran vidéo maintenant. C'est là que je peux mettre logo. C'est là que si vous voulez mettre caméra. C'est là que je peux ajouter tout le bagage que je veux que vous parlez dans le live là. Ok? Directement, je veux c'est ça que ça fait la mise en scène. Là. Ok? Qui ça quoi faire le river pas bon site m'a pas dit qui soit pour le faire parce que c'est pas mon câble qui ça m'a baou qui gens qui m'a créé pour faire pas et que vous même vous doit juste sans choisir ce que vous le bon et puis ça va aider tout pour connaître comment qu'a mettre chaque caractère ça que vous pas bon site. OK, qui ça qui m'a fait moi même m'aller sur net qui m'a créé des overlay. Overlay ça lié ce sont des petites images. Ce sont des vidéos qui tout gagne forme en forme live et tout bagage. OK, m'a des sources média et puis on va choisir mais puis mettez overlay. Mettez overlay et puis me fait OK. Et puis ici tant que moi pour choisir ti vidéo ça yo. OK, c'est sous download toujours. OK, et puis on va chercher overlay. OK, pack overlay. OK, et ainsi que nous voulons marquer le lien pour nous dans la description juste pour nous télécharger si que vous soyez si que vous soyez un teaser game. OK, si que vous soyez un teaser game. OK, non, OK, bon point black. OK, et puis qui ça on va faire et puis on va choisir un style de jeu, on va changer, on va choisir. OK, bon point ça. OK, on prend ça. Et puis, je veux pour toujours aller en boucle. Depuis que c'est overlay qui a fait pour mettre en boucle, parce que si vous ne mettez pas en boucle, une fois que la vidéo ça fini, et puis overlay là, les campes, les papes, j'ai encore, les ça, vous devez voir, en la voix vine l'aide. Ok? La voix vine l'aide. Ok? Ok, maintenant, okay, là, il paraît tellement gros, et puis je vais faire CTRL F pour qu'il y ait une forme écran. Ici, tu vas, ici c'est là où vous pouvez mettre jouet, toi. Et ici c'est là que vous pouvez mettre caméra et ici que c'est là que vous pouvez mettre live screen tant que les gens commenter tout ça c'est là qui apparaît. OK, pour ça même c'est icône pour tant que Facebook et tout Twitter vous pouvez mettre pas bosser. OK, OK, là où fin là où pouvez pas connait pour pouvez embellir ouvrir la UA. OK, là vous pouvez mettre écran jouet toi. Moi, le pas beau site me fait. Alors, ici, quand que nous pouvons ajouter, nous ajouter une capture d'écran, une capture de jeu, si que, mais pour ajouter capture jeu, il faut que jeu soit ouvert. Il okay? Faut que jeu soit ouvert jeu, jusqu'à pour que la fenêtre jeu soit capable d'apparaître. Ou qu'il faut une capture de fenêtre. Ok? Et capture de fenêtre, il faut que la fenêtre qui ouvre qui vous paraît dans le live là, dans le stream là. Ok? Il faut que jeu soit ouvert, j'en que nous essayons ouvert là. Ok? Il faut que jeu soit ouvert tout ça. OK, alors que si vous voulez tout vous doit mettre un diaporama. Diaporama signifie que c'est une liste d'images. OK, que vous doit sélectionner plusieurs images juste pour passer une par une. OK, sur live. OK, si que vous voulez mettre un navigateur bon puis devant ma petite salle c'est ce que nous t'avons mettre. OK, bon. Bon, je vais vous dire parce que je vais vous dire que c'est que je vais tomber expliquer chaque bagaille, ça va demander qu'il y a un peu de temps. OK, ça va demander un peu de temps. OK, OK. Bon, on prend une capture de cas. OK, on prend une capture de cas. Vous avez qui? Écran, laptop, planète, tout ça qui est rapport, tout ça qui est affiché sur écran, laptop, là. OK, c'est le même qui va apparaître. Si vous voulez que pendant que vous faites la là, vous avez pour qu'il s'y a toujours apparaître dans la là, vous avez toujours quitté sa coche. Si vous avez pas vous avez décoché et puis vous pouvez même les mains passer, vous pouvez petit écran pas apparaître dans ça. Mais si vous faites ça, on va appliquer la palette. OK, OK, et puis me fait OK. OK, là que oui veut pas bon site, est-ce que les points forme? OK, les points forme là, mais pas oublier que là les barrer toute interface à overlay. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut aller réduire juste pour capable point forme ça. Réduire, on va mettre ici que nous faire un petit overlay. OK, pas oublier que si les vini si que et qu'on enlève avant vu qu'il a fait défaut qu'on a qu'ils ont pas fait ou quoi capturer qu'on a ou descendre
juste pour qu'elle vienne des dos et quoi. Voilà. Laisse ça là, elle vient parler de ton gens. Puis, normal. Si qui est ouvert, bon, fais un petit 10 minutes plus, jusqu'à. Parce que dans ça, on peut offrir les moins, il y a quelques petits bagages qui sont barrés. Ok? Bon, je descends ça et puis. Moi, je suis capable de faire un petit réduire, un petit fermer. Ok, jusque. Ok, je vais descendre tout petit. Ok, on va descendre plus bas pour aller en arrière-plan. Ok, là, il paraît normal. Normal. Ok, on a ici, tant que vous devez mettre la caméra. Ok, vous devez mettre la caméra, pas possible. Qui sont pas fait, vous pouvez ajouter un sous son corps dans le même enseignement. Vous pouvez faire ici et puis vous allez dans la périphérie des captures vidéo. Ça, l'opposé, ça, que c'est ça, c'est là que l'ordinateur a une webcam. Okay? Si l'ordinateur a une webcam, vous pouvez peser. Une fois que vous pesez, vous pouvez. Et puis vous mettez la caméra. Okay? Et puis vous faites OK. Et puis tout, vous pouvez voir que. Une fois qu'on fait OK, on va prendre une vidéo pour que la caméra apparaisse. Excusez-moi, sinon on me OK? Caméra apparaît et puis on fait OK. Et puis, ce que vous voulez, vous devez personnaliser, vous devez paramétrer la vidéo. Hein? Et puis, tout pour qu'on peut faire un petit collègue. OK? Pour que ce que vous travaillez, vous devez apparaître tout ça. Pour qu'on peut faire un petit éclairage tout petit. Et puis, ce que vous voulez, vous devez descendre. Pour les antigens, gamma, café, antimoté, gamma, tout ça. Ok, ça va dépendre de vous. Mais vous faites appliquer. Et puis vous faites accepter jusqu'à pour que ici, pour appliquer comment on paraît par vos sites. Ok. Et puis bah encore, si que vous voulez, vous pouvez essayer de personnaliser jusqu'à contrôler les résolutions, tout ça, ok? Juste pour contrôler les résolutions, tout ça. Caméra, allez, allez. Ok. On nous cherche à mettre les paramètres normal jusqu'à. Pour nous capables. Ok, on fait ok. Une fois que vous ne pouvez pas bosser, tant que vous pouvez mettre webcam en placement, ok? Overlay là. Ici, tant jusqu'à vous capable faire trop en défaut. Ok? On va quitter ici. Là que nous regardons qui ça qui défaut que nous allons faire, on va prendre que caméra dit antigène paraît en carré et puis ouvrir la ligne en rectangle. Qui ça que vous pouvez le faire? Que nous faisons clic droit sur lui et puis vous allez dans transformation et puis vous allez dans en bas côté qui est marqué. Côté. Ok, qui marqué éditer. Ok, voilà. Éditer la transformation jusqu'à pour capable. Participe pour capable faire ou tel la GA pour comment on fait. Ok, on a les ou ni à gauche. Ça c'est en haut en bas. En haut en bas qui m'a fait. Ok, ou ni en haut. Et puis nous faisons un petit moteur pour nous capable ou ni. Ok, on va prendre tant de moteur. On va mettre à 100. Ok, on va mettre à 100. Ok. Qui je que nous voyons nous voir comment venir. Ok, là l'événement normal. Oui, c'est normal. Ok, mettez la 100 et puis nous voyons du tout prend forme normalement. Ok, qu'on y a là qui ça que nous pouvons faire, nous pouvons descendre caméra en bas juste pour qu'elle venir en arrière-plan. Bah ok, nous voyons comment dire. Ok, qu'on y a un petit réglé en écran, nous voyons un petit réglé caméra et que ici tant ce que vous voulez, vous pouvez ajouter un petit. Une petite animation, tout ça, ok? Vous pouvez ajouter une petite animation, abonnez-vous, tout ça, ok? Nous pouvons ajouter une autre scène, une autre petite source, ok? Dans la scène noire, qui c'est une source vidéo que la pied. C'est pas ça? C'est un peu là. Source de couleur, non? Balance source de couleur, c'est source des médias que nous pouvons aller. Et puis, nous pouvons ajouter une petite vidéo en plus, hein, qui. Mais que tout ça, c'est au même qui peut chercher, télécharger, jusqu'à pour connaître comment qui va faire scène, ok? Par moi-même. Par exemple, toujours battre okay, pour me faire ce mon petit genre, puis normal, tout ça. Ok, je vais download et puis je vais chercher un petit.
sur le cap en ça, ok, c'est que vous avez besoin pour l'abonner, ok. Et puis dans ça tout bel tout montrer nous tout comment que nous avons étiqueté fond vert dans la vidéo, ok. Et pour mettre les en boucle et puis me fait ok. Et puis nous voyons que là c'est un fond vert qui est mon pour les abonner et puis activer les cloches de notification tout ça. Et puis nous pouvons réduire les et puis nous mettre les autre chose qui est bon de mettre là, qui est quand même le côté bleu, ok, parce que c'est au même cap, c'est au même qui peut le faire en écran belle, tout ça, on peut mettre là, on peut mettre en bas là tout, ok, on peut mettre en bas du tout, et puis nous pouvons retirer fond vert ça qui est dans petit vidéo ça, ok, qui soit fait, vous faites clic droit sur lui et puis vous pouvez aller dans filtrer, ok, jusqu'à ce que nous puissions retirer fond vers ça et puis que nous pas peser petit plus ça qui est en lien, nous pouvons aller plus qui en bas, ok, qui marque filtre effet, ok, ça c'est filtre vidéo, nous pouvons aller filtre effet en bas là nous pouvons aller plus et puis nous pouvons aller dans encryptation par chrominance, ok, et puis vous faites ok et puis une fois que vous faites ok vous pouvez que fond vers là les retirer automatiquement, ok, et puis nous fermer et puis nous retirer fond vert là retiré automatiquement sur stream moi, ok, et puis on choisit un bel côté pour mettre les jusqu'à pour qu'on puisse faire du faux quand mettez en bas là plutôt on mettre en bas là okay. Pas bien oublier tant que en stream moi on a plus en animation c'est tant que c'est vraiment de tout pour gagner une connexion internet qui est vraiment normal, ok, ça va. Ok, en plus devant la prochaine quoi qui on va montrer nous mais comment qui nous capable mais comment qui ou capable c'est qu'internet tout là mais tout ça qu'on capable faire pour qu'on ait une bonne connexion internet juste pour qu'on faire petit live normal, ok, ok, là que m'pas connais si que nous t'avons mettre l'autre ces bagages parce que me pensais que Lucifer, ok. Et puis tout ce que vous voulez ajouter, il y a un autre bagage encore dans la live là. Ce que vous voulez mettre en vidéo en texte, ok. Nous allons ajouter un texte, tout ça. Et qui texte que vous allez mettre? Ok, nous allons mettre n'importe. Nous allons dire maintenant, pas oublier abonner, tout ça, bla 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 bla, ok. Pas oublier like. Ok? Pas oublier like page là. Ok? Et dans like là, je vais le faire. Je vais mettre image skill. Image. Ah, sauf là. Dans like là, je vais mettre image skill. Ok? Ok? Et puis, tout le monde va chercher un fond, un police, un police. Je prends ça. Et ça, bon, je pense ça plutôt, ok. Et puis, je cherche qui gosse qui va t'aller dans le cadre ici, 16. Ok, et puis ici, je mets en gras. Et puis, je fais ok. Et puis, ici, ok, si que ouvre les bas les couleurs, quand les couleurs, quand descend plus bas, pour qu'on les couleurs, pour qu'on batte ça, petit couleur, pas le site. À mettre les en jaune tout ça, ok, ça va demander sur le moi qui est d'un paraître LED, ok, bon mal choisir un autre police, je choisis un autre police, ok, si je pense à comme ça, ok, je choisis un autre police tout ça, ok, une fois qu'on finit et puis transformation du texte, est-ce que vous voulez transformer les, non pas mettre transformer les même cabal y a une animation d'accord ici c'est ok un contour on dit que au cabal y a un petit contour tout ça t'as qu'au contour blanc ça au cabal des bam et puis ces contours un petit contour épais, ok on peut mettre le sous un, ok et puis au cas juste faire un petit en sombre, ok et puis on fait ok. Et puis, côté texte, mettez ça en l'air là. Et puis, je fais un petit élargir. Et puis, mettez-le ici. Ok. Aïe, quand on fait là. Ok. Ok.
quand elle était dans l'air là pour tout ça, ok? Quand elle était dans l'air, ok? Une petite animation sur le cabaret texan, une petite animation, tout ça, ok? Tout ça manquait, ok? Parce que dans le prochain coup, nous pourrons le faire suivre de tout ça qui nous est là, ok? Quand il y a l'offre, nous pourrons au cabaret, ou qu'à créer une autre scène. Qui est l'autre scène que vous créez? Si vous créez une scène pause, tout ça, ok? Quand il y a là, nous pourrons aller dans paramètres, ok? Nous pourrons dans paramètres parce que depuis que vous créez une scène, vous créez une scène, ou bien ordonner ce sujet, on a nous parler dans paramètres pour aller en tant que mettre des raccourcis dans scène parce que on pas besoin tant que vous simplement poser des touches, OK, sous clavier là juste pour capable changer scène de temps en temps. OK. OK. Ici dans en général on peut être sous français, on peut être sous thème noir, ça va bon. OK, sous stream là parce que nous t'étais en fait déjà, nous t'étais en fait tout ça. OK, là que nous t'as créé profil là, raccourci des claviers que mon point moto comment là que vous fin créer scène par bon site, comment que vous pouvez créer un raccourci des claviers jusqu'à pendant vous faire live là et puis on y pèse un bouton pour capable changer scène de scène en scène. OK. OK. Qui s'aligne en arrière pour scène. Scène. OK, scène qui pas gain non en noir là. Là nous aller ici pour créer scène ça. OK, pour capable passer des scènes ça qui pas gain non. OK. Goda Jésus, on mettait yon code, on mettait yon numéro, OK. Goda dit c'est là au PZ 1 et qui plutôt pour scène apparaître, OK. Et puis tout on va aller pour scène 2 qui est scène 2 code scène pause là, OK. Mettez pour 2, là on PZ shift 2, on doit changer par scène pause. OK, pour scène 2, mettez 3, là on changer, là on PZ 3 de changer par scène. OK. Une fois que vous faites ça, vous finissez. Si que vous voulez gagner l'autre petit bagage que vous devez mettre sur, OK, gagner l'autre petit bagage que vous devez faire, mais on nous quitte de scène comme ça parce que qu'on y a là aussi un manque à fin de débuter, mais vous voulez me compliquer les choses là. OK. Une fois que vous finissez, vous finissez créer raccourci pour scène ça, et puis vous faites appliquer et puis vous faites OK. OK. Gardez bien, on va le peser 1. Le vous sous écran noir parce que c'est ça nous pas mettre un en là-dedans. On peut c'est shift D, les peser ouais, les vous sous 1 3. On peser 3, les vous sous scène intermission. OK. Non, on va poser. Comprendre c'est comme ça. Comprendre. C'est comme ça. Alors, bien l'autre petit bagage. Parfois que mon n'a qu'on besoin pour simplement visager pas la vidéo sans que pour écran ça pas apparaître. Tout ça que vous table que vous faites, ça va demander pour pouvoir créer un nouveau scène. Qui soit que vous pouvez faire, nous pouvons créer un nouveau scène, OK? Et puis tout, qui soit que vous pouvez faire, qu'on y a, vous pouvez créer un, vous pouvez mettre une source et puis vous pouvez mettre une vidéo là, OK? Bon, et puis ici, vous pouvez mettre un nom existant, OK? Sinon, vous êtes là, et puis vous faites OK. Si que vous pas mettre un nom existant, on efface pour nous qui sait pas le passé, c'est que vous pas mettre un nom existant. On supprime ça. OK, on met crayon là sous encore, nous mettez périphérique. OK, et puis ce qui était sous ça, on mettait un autre nom. OK, pendant ce temps qui était en gain sous ça déjà dans stream là. Alors que après malgré vous faire OK, après que au power, le disparaît. Pour ça c'est parce que si que non intégrer là intégrer dans créer une source pour lui déjà alors qu'a toujours utilisé même source là, OK, c'est ça qui passait. OK, on a supprimé ça, OK, et puis nous fait ajouter une source, nous fait périphérique et puis n'aller là ajouter une source existant parce que intégrer dans source ça déjà et une page sur source là et puis nous fait OK. OK, une fois que on fait OK et puis voilà. OK, on nous paramétrer source là. Est-ce que vous pouvez paramétrer? Oui, vous pouvez paramétrer. OK. On nous fait double clic par bon site. Double clic sur ce là. Ou bien, vous allez ici, vous faites double clic. Et puis, ici, vous pouvez aller dans configurer. Ou bien, vous pouvez aller dans. Vous pouvez pas bon site, vous pouvez dans personnaliser. Personnaliser. Et puis, ici, on nous pouvons mettre sur 280 par 720. OK, jusqu'à ce que vous prenez en forme
les nets, ok? Et puis vous faites OK. Men. Et puis vous faites CTRL F, juste pour capable pour forme écran. Ok? Ça, c'est là que vous voulez changer. Ok? Quand il y a là, c'est que vous changez. Non, non, la scène, c'est pas demandé, vous pouvez créer un autre raccourci pour cette scène. Ok? Donc, vous pouvez paramètres encore. Ok? C'est que vous voulez, vous pouvez mettre une autre animation, tout ça. Ok? On va mettre une autre animation. Moi, je vais faire simple. Ok? Mais je conseille ou même plutôt faire simple. D'accord? Plutôt faire simple. Ok? On va aller sur. Je fais OK. C'est ça qui me va créer un beaucoup de métalliques. Depuis, je ne fais pas courir. Mais je vais chercher un petit overlay pour lui. Ok? Maintenant, download. Puis, je vais chercher un petit overlay. Ok? Dans Black. Puis, je vais chercher un petit overlay. Bon, pour overlay, ça plutôt. C'est bon pour overlay, ça. Ok, on prend ça et puis tout, on fait ouvrir et puis mettre la boucle et puis on fait ok. Oh putain, ok, ça va, ok. On fait CTRL F pour qu'elle bonne forme là et puis tout, ça peut être connu, ça peut être ma caméra pour moi faire un petit réduire. Ok. Ça c'est ce que vous t'avez en vraiment fait un petit élargir ça plus. Fait un petit élargir parce que dans les bouts en bas apparaître, nous tiens fait défaut. Ok. On a vraiment fait un petit main caméra. Ok. Nous fait un petit élargir caméra plus. Ok. Ok. Mais, ok. Et puis, tout nous pouvons créer un raccourci pour cette toile. Ça. Nous pouvons créer un raccourci pour cette toile. Nous pouvons aller dans raccourci. Et puis, nous pouvons chercher cette toile. Et puis, nous pouvons mettre 4. Et il faut qu'on crée un raccourci pour lui. Et puis, nous faisons OK. Ok. Nous pouvons peser le bouton. Ok. Mais, souris dans l'écran. Nous, ok. Nous pouvons souris pas faire aucun mouvement. Et puis, nous pouvons. Ça est scène 1, scène 2, scène 3, scène 4. Ok? Je vais changer nos règles. Ok, mes amis, je dis à qui montre nous un pile bagaille. Je crois que cette vidéo pendant n'importe 50 minutes ou bien 40 minutes. Je crois qu'il va arriver. Ok? Malgré ça, nous avons un pile bagaille qui est pas qu'on montre nous. Okay? C'est des pas à pas qui m'ont jusqu'à ce qu'il pour venir professionnel. Ok, on a fait live en sous OBS Studio. Ok, alors que c'est là que nous mettez fin la vidéo. Ok, prochaine fois qui m'ont montré nous que un plus l'autre bagage encore m'a montré nous un plus l'autre bagage. Ok, alors mes amis, si que vidéo a été vraiment utile, c'est pas hésiter, mes amis, abonnez à la chaîne là, mes amis, like en vidéo. Ok, c'est like vidéo et puis partagez vidéo pour nous, s'il vous plaît. Okay, et puis tout, ciao, à la prochaine, nous allons le faire encore pour la vidéo. Blau.